Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande de bénir tous les gens du monde entier, et particulièrement ceux et celles que tu as placés sur mon chemin. Comble-les de ton amour et du don de ton Esprit Saint, don de sagesse, afin qu'ils continuent d'être des lumières pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Question brûle sur toutes vos lèvres, c'est quoi nous cartes et papiers? Vous allez enfin avoir la réponse à votre question. Bon visionnement tout le monde! Nous cartes et papiers, c'est un projet entrepreneurial que j'ai mis sur pied au début de l'année avec l'aide de ma merveilleuse équipe en classe TSA. Nos élèves qui participent au projet fabriquent du papier artisanal à la main, puis en font ensuite des cartes de souhait. Ces 6 adolescents et jeunes adultes autistes non-verbaux à grands besoins méritent vraiment d'être connus et appréciés. L'idée m'est venue au courant de l'été. Je cherchais à mettre sur pied un projet qui pourrait permettre à mes élèves de s'épanouir, tout en contribuant à la communauté à laquelle ils appartiennent. Je voulais que le projet actualise leurs forces et respecte leur champ d'intérêt. Ce qui est merveilleux dans la fabrication de cartes, c'est que chaque élève a son rôle important à jouer dans le processus. Ils peuvent se sentir utiles, valorisés, peu importe l'envergure de leur tâche. Je peux aussi dire que la beauté du projet, c'est qu'il favorise l'inclusion sociale. Il a déjà suscité des échanges, des visites, des idées collaboratives, et j'ose croire qu'il continuera à le faire. Je suis super fière de dire qu'à travers tout ça, mes élèves sont demeurés au centre des interactions. Les profits de la première vente de nos cartes iront à soutenir des initiatives à Samuel Genet. Je suis vraiment excitée de voir ce que le futur nous réservera. J'ose espérer que nous, cartes et papiers, va permettre de réduire la stigmatisation à laquelle nos élèves autistes en classe distincte sont confrontés, en leur donnant de la visibilité et en les faisant briller à leur juste valeur. On est tous humains et on a tous besoin de se sentir acceptés et de faire partie d'une communauté inclusive. Avec notre logo, on a choisi de mettre en valeur le symbole de l'infini, qui est souvent utilisé pour représenter la neurodiversité. Ce symbole évoque bien, à mon avis, l'étendue de la diversité du spectre de l'autisme. Il n'y a aucune coupure, aucune limite, juste l'unité de la forme, puis on peut très bien faire le parallèle avec les valeurs de notre projet. Le symbole de l'infini porte fièrement les couleurs de Samuel Genet, le vert et le bleu. Parce qu'après tout, nous, cartes et papiers, est une initiative par des élèves et pour des élèves. Le choix du nom « Nous » vient de notre mission première, qui est de prôner l'inclusion de nos élèves autistes à SAM. C'est notre responsabilité en tant qu'école de se voir au « Nous », et ce, en célébrant nos différences. Merci d'ailleurs à Trudeau Design pour le logo. Merci. Alors, tout au long du mois d'avril, nos élèves et nous allons vendre nos cartes sur le magasin en ligne au coût de 5 $. Tous les profits sont allés à la Société franco-ontarienne de l'autisme. Donc, merci de nous encourager et allez acheter vos cartes sur le magasin en ligne. Bonjour, aujourd'hui on est à BEC. Item et Miguel. Notre question pour vous aujourd'hui, c'est environ combien de femmes autochtones sont assassinées ou portées disparues chaque année au Canada selon vous? Je dirais 111. 25. 63. 70. 72. 98. La réponse est 111, ce qui représente 10% de femmes disparues au Canada. Comme vous avez vu dans les dernières annonces, nous organisons une vente de pâtisserie le jeudi 11 avril. Les fonds seront envoyés à l'Organisation nationale des femmes autochtones. Salut les élèves du Collège catholique Samuel Genet. Moi, c'est Ferdinand, étant leader au sein de notre communauté à l'école. Il est essentiel que nous restions conscients des défis auxquels nous confrontons au sein de notre communauté et autour de nous. Savez-vous qu'entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, plus de 800 000 Ontariens ont dû compter sur les banques alimentaires pour mettre leur place sur leur table? Rien qu'à Ottawa, il y a eu une augmentation de 28% du nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire en 2022. C'est pourquoi le cours de leadership de Mme Robert s'associe à la banque alimentaire Partage Famille pour faire une différence dans notre communauté. Du 15 au 19 avril, nous organisons une collecte de denrées alimentaires dans notre école au foyer. Que ce soit des aliments en conserve, fruits, légumes, fèves, etc., des pâtes, des huiles et autres.
chaque don va faire une différence. Nous visions 1 000 denrées et chaque denrée compte pour les grands jeux. Participez en grand nombre.